On a sélectionné. T'as vu, je suis un Saint-Bernard. Un Saint-Bernard, c'est un chien. Ouais. Je vois pas le rapport. C'était bien. C'était bien. C'est fini. C'est en ligne. C'est fini la première. Maintenant, le clip est entre vos mains. Allez le regarder, l'écouter, commenter, partager. Et on espère qu'il vous plaît et qu'il vous donne envie d'aller faire des trucs sous la pluie. Mmh. Faut que je mette à jour les sous-titres parce qu'il y a des erreurs. Nick Jonas. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a un en voix de tête juste après. T'es sûr de ça? Oui. Sauf que c'est pas en voix de tête que je veux, moi. T'es sûr que c'était pas en voix de tête avant? Franchement, dans ma tête, c'était pas du tout en voix pleine. Regardez, on va aller voir Nick Jonas. Attention, donc là, je suis parti chercher la caméra parce que je me retrouve avec quelque chose de drôle et un peu enquiquinant. Donc, le problème, c'est que Lorraine a fini son Gravity en mode Jonas Brothers, c'est-à-dire qu'elle a fait Gravity. Vous allez voir, hop. Attention, regardez ça, le beau Gravity. Donc ça, c'est celui de la démo. Gravity. On n'entend quasiment pas. Attention, place à celui de maintenant. Gravity. Ah oui, il est beau. Jonas, Billy, yalalala, arrête. Quand je fais ça, c'est bien. C'est bien, c'est juste qu'à chaque fois, il y a Gravity. Regarde. Il y a Yololo Iou. Mais tu peux pas l'enlever. Il y a un Suisse qui débarque derrière dans sa montagne. Tu peux pas l'enlever. Bah j'essaye. Depuis tout à l'heure j'essaye. Le truc c'est que t'as pas fait semblant quoi. Non. Je fais pas chose en moitié moi. Donc, on a fini par réussir. Donc celui-là, en vrai il est bien son Gravity. Il est stylé, mais il marche pas sur un delay. Quand il y a une aspérité vraiment marquée sur une phrase, c'est trop stylé en interprétation et tout ça, mais quand tu mets un delay dessus, bah on fait une fixette un peu sur l'aspérité. Et donc là ce qu'on a fait, tout simplement, on a coupé un petit bout du D. Du Gravity à la place du D. Et voilà, on l'a mis à la suite. Et on y voit que du feu. Hein. Ouais, nickel. Let's go. C'est un tube. Can I have something to drink with my girlfriend? On a reçu un puzzle pour Noël. Je voulais le faire avant d'aller chez les parents de Loulou. Il faut qu'on se dépêche de le finir. Il est beau. Il est très beau. Et voilà le puzzle. Il est magnifique. Trop joli. Avec tous les petits animaux cachés partout. Aujourd'hui, je dois enregistrer des adlibs pour la chanson Invincible qu'on a fait avec Stirner il y a pas mal de temps quand même. Et là, ils sont enfin revenus vers nous avec la version finale. Sauf que il faut que je rajoute des adlibs parce qu'en fait, ils ont laissé les adlibs de l'ancienne chanteuse. Donc il faut que je les refasse parce que j'en avais pas du tout fait. Je vais faire ceux qu'elle avait fait déjà, chercher d'autres idées, même si je suis pas super inspirée sur cette chanson en vrai niveau adlib. Je pense que c'est les sonorités qui me coincent un peu. Mais on va trouver des choses, je pense. And I'm invincible. Oh. Je suis pas inspirée. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? L'idée après, c'est qu'une fois que j'ai fait plein de trucs, des trucs cool, des trucs dégueux, je choisis ce qui est le plus intéressant et je réenregistre propre les idées les plus intéressantes. Voilà. Finalement, je suis plutôt contente du résultat. C'était stylé.
Ça rajoute des trucs sympas, c'est cool. J'ai réenregistré tous les adlibs de base, il y en avait 3, mais j'en ai rajouté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dont certains qui ont des sonorités qui frottent un peu, mais que moi j'aime bien. Après, je lui envoie tout, il garde ce qu'il veut, aussi bien il va garder que les 3 de base. Mais en tout cas, il y a des trucs que je trouve ajoutent vraiment sans être un peu trop spé au niveau des sonorités, donc je pense que ça va le faire. Moi j'aime bien, je suis contente parce que j'ai vraiment pas de voix là, donc avoir réussi à faire ça avec le peu de voix que j'ai là, je suis assez contente. Ça va être très bien. Maintenant, c'est le moment d'enregistrer Ponyrama. Pour ceux qui suivent les vlogs, on avait enregistré la démo il y a quelques semaines avec Tony et Louis. Donc, c'était la chanson sur l'armée de bébés qui prend d'assaut un carrousel. Du coup, il faut que j'enregistre ça. Ça fait beaucoup de choses à enregistrer. Et c'est pas spécialement ce que j'ai l'habitude d'enregistrer. Mais c'est ça aussi que j'aime trop, c'est que ça me sort vraiment de ma zone de confort et de ce que j'ai l'habitude de faire tout le temps. C'est sombre. Arrête de faire la mise au point sur le soleil. Voilà, c'est mieux. Donc, il y a Kiran qui a écrit les paroles. Je l'ai pas encore tout à fait en bouche, mais je vais bosser. Tell me I can write, tell me what you're doing. I'll make you scared and you can hide. You'll be soon in ruins. I'll make you regret. 128, est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être ça. Non, elle est tellement bien cette chanson. J'avais oublié toutes les parties qu'il y avait dedans. C'est chez Père, on adore. Nobody tells me I can write, tell me what you're doing. I'll make you scared and you can't hide. You'll be soon in ruins, I'll make you regret. You really think I'm a joke. Ouais, je vais essayer de le faire en plus doux encore. Nobody tells me I can write, tell me what you're doing. I'll make you scared and you can't hide. You'll be soon in ruins. You don't look like someone who can really play the game. I'll rip off your tongue, then you can explain. Blame. Lay down your pride. You cross the line. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Comment on dit pony? Je sais pas comment on dit pony, moi, en fait. Pony. Traduction. Pony. Pony. Those ponies. Ok. You know deep inside, I wanna ride. Those ponies look like they could all be mine. Deuxième couplet, du coup, celui qui est un peu plus poussé. Don't come at me on your high horse, cause you won't like what's next. You think it can't get any worse, but I'll find a pretext. Ok, il va falloir que je travaille un peu celui-là. For all this nightmare to end, you'll never walk out of here until you make amends. Ok. Don't come at me on your high horse, cause you won't like what's next. You think it can't get any worse, but I'll find a pretext. Je pense que l'intention est bonne. Chouïa bug de prononciation, mais ça va aller. You call me baby one more time, and I'm coming for ya. Do I look too young? I could say the same. You don't look like someone who can really play the game. Blame. Somebody has to pay. You never let me play. Ok, pas mal. If you're not the one to blame, find me who is. If you're not the one to blame, find me who the fuck is now. If you're not the one to blame, find me who is. Je vais quand même écrire parce que je vais me perdre. Lead. Whisper L. Et là du coup, je vais faire des whispers bizarres. Weird. Whisper L. If you're not the one to blame, find me who the fuck is. J'ai fini d'enregistrer, je vais voir ce que ça donne. I look around and I can't find any mercy for you. Deep, deep inside, you're in a fight. You'll never make it out a hero. If you're not the one to blame, find me who the fuck is the game. I rip off your tongue, blame. Ok. Ça va être stylé. Pas mal de taf quand même de choix. Quand c'est vraiment des trucs chantés et tout, je trouve ça hyper simple de faire des choix parce que c'est facile de savoir ce qui a été le mieux chanté. Là, on est vraiment sur beaucoup de parties que sur l'interprétation parce qu'il y a vraiment pas de chant. Je pense que je ferai ça demain. J'ai fini ta bouteille. Tu dis pas que ça se fait pas. Là, il y a la bouteille, elle est finie. Mais je viens d'enregistrer, je voulais aller voir. Ben oui, mais j'y peux rien. La bouteille, elle est devant moi, donc je la finis. Je veux sort. Après-demain. Ce soir à minuit. C'est ce soir déjà. Donc je veux sort ce soir à minuit. Donc il faut qu'on prépare une petite vidéo, comme d'habitude, où on fait un acoustique et ça part sur la prod. Et en plus de ça, on va faire en fait une version live épurée pour faire une petite vidéo aussi pour les réseaux sociaux. Et donc là, j'étais en train de travailler sur ça. Et donc voilà le résultat. Lorraine va découvrir aussi. Si tu veux, tu peux chanter. Vas-y, chante en même temps. Ça commence direct. Donne-moi tout de suite
Ouais, c'est très bien. Et niveau cheveux. Ouais. 1, 2, 3, 4. DJ. Je suis un DJ. J'aimerais qu'à la fin, ça fasse ça. 3, 4. Louis a fini la prod pour qu'on puisse faire notre petite version alternative de Je veux pour faire la promo pour ce soir. Là, il faut qu'on fasse la vidéo qu'on va poster d'ici. Normalement, je vais la poster à 18h. On la postera plutôt vers 19, je pense. On a notre petit cadre pour la vidéo. Louis, il va se mettre ici. On allait filmer et le réparateur de chaudière est arrivé à la seconde où on allait filmer. Du coup, voilà. On attend. Mais en même temps, on va pas se plaindre parce que là, il fait 15 degrés dans la maison. C'est fort désagréable. On a hâte que ça revienne parce que là, je suis bras nu pour la vidéo, mais c'est horrible. Et j'ai mon micro pour faire semblant que c'est du live. C'est pour le truc, quoi. J'espère qu'il en a pas pour long. C'est mieux. T'es prêt? Ouais. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Là on est bien? Oui. Moi je suis 4. Ouais. Peut-être elle est bien, on verra. On en refait une comme tu dis. On choisira la mieux. On choisira la mieux. Montre ton travail. On a fini la petite vidéo qu'on a faite tout à l'heure et puis j'ai fait transitionner sur l'original. Je mets pas tout, ça va être très long et on a faim. C'est disponible at midnight. Oui, c'est disponible at midnight. Mais je suis pas encore convaincue de comment j'ai foutu mon at midnight. On va manger. Oui, on va manger du crêpe. Manger. Dis bonjour à la caméra d'amour. Bonjour caméra d'amour. On vient de se réveiller, donc on a une petite tête d'ours, mais c'est pas grave. Regardez le beau cadeau au réveil. Tintintin, donc Je veux est sorti et c'est incroyable. J'ai appuyé sur l'écran pour faire la mise au point alors qu'il fallait appuyer sur l'appareil. Regardez ce qui se passe. Il y a déjà plus de 22 000 écoutes et puis ça monte en flèche, c'est juste fou. Mais bon, en même temps, rappelez-vous ce que j'ai dit la semaine dernière. Non, pas la semaine dernière. Ça fait plus que ça, beaucoup plus. Il y a 3 semaines. J'avais flairé le truc. Le départ est incroyable. Donc voilà, on croise les doigts pour que ça reste comme ça. Donc là, je vais aller voir les playlists aussi. S'il y a eu des playlists sur Spotify. Today. Ah, poum 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 poum. Playlist de fou. Donc on a Dance Brand New de Spotify. Grosse playlist dance. C'est trop cool d'avoir ça. On est 11e en plus dans Dance Brand New. Trop bien. J'ai quasi fini les choix de Ponyrama. J'hésite juste entre 4. J'arrive pas. Dernier peut-être. Mais juste entre lui et lui. Et l'autre. Oui, peut-être le premier là. Ok. Alors, du coup, j'ai fini les choix. T'avais regardé les mails ou pas? Non. Qu'est-ce qu'il y avait? Ah oui. Non, il y a Pornic. Viens. Le retour. Chanson de café de Pornic All Star. C'était ça. Et là, on était deuxième. Cette fois-ci, on va être premier. Arrête, tente pas de malheur. Mais je rigole, je m'en fous. En vrai, je le fais pas pour gagner. Ce concours est trop cool. Oui, c'est trop cool comme concept, en fait. Et pendant 3 jours, tu joues dans 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 endroits différents. En guitare-voix, juste. Ouais, c'est vraiment un concert en acoustique. Et en fait, cette année, ils ont décidé de faire une version un peu spéciale avec des participants des années passées. J'ai hâte. Ouais, j'espère qu'il fera beau. Oh ouais. C'est quand? 5, 6, 7 avril. Il y a moyen. Ah oui, il y a moyen qu'il fasse beau. Il y a moyen qu'il fasse beau et chaud. Si vous êtes de Pornic ou vous êtes près de Pornic, il y a moyen de nous voir un petit concert acoustique sympa. Réservez vos dates. On a sélectionné!
On a sélectionné, on a sélectionné. On a sélectionné, on a sélectionné. On a sélectionné, on a sélectionné. T'as vu, je suis un Saint-Bernard. Un Saint-Bernard, c'est un chien. Oui. Je vois pas le rapport. Tu vas voir que les gens, ils auront le rapport. Mais je comprends pas. Bah oui, je comprends toujours pas. Mais Saint-Bernard, il y en a plein qui ont des trucs comme ça. Mais ils ont pas de téléphone autour du cou. Mais non, mais regarde, ils ont un machin comme ça. Ah d'accord, oui. J'avais pas de petit tonneau, là. Je me comprends. Mais pourquoi t'es si pris ? Oh, Jonas ! Bip ! Oh, Jonas ! Bip ! Tu travailles sur le vlog ? Oui. Tu fais de l'Inception ? Ouais. Dans le vlog, on voit le vlog. Et bientôt, dans le vlog, on verra le vlog qui voit le vlog. Tu veux, tu pourras te filmer qui regarde le vlog, qui filme le vlog, qui regarde le vlog. Tintin. Et je crois que ton chat demande à boire. Oh. Qu'est-ce que c'est bon! Et moi, de mon côté, je travaille sur une version... Tu veux que je ferme la porte? Comme je parle là-bas, sur l'écran, et ici, ça fait un peu des interférences dans mon cerveau. Et ça doit aussi en faire dans le cerveau de Lorraine, là-bas. Donc du coup, je disais oui. Lorraine, hier, est venue me voir avec une idée. Elle aimerait bien reprendre Murder on the Dance Floor en version dance. Donc elle m'a demandé d'essayer des choses pour voir si c'est quelque chose qui pourrait rendre bien et si c'est quelque chose qui m'inspirerait. Là, je suis en train de commencer des trucs qui me plaisent bien. Je vais vous faire écouter juste l'intro. Bon, pour l'instant, c'est vraiment... j'ai posé les idées. Eh ben, écoutez, on n'entend rien. Ah. Voilà, donc je suis en train de commencer ça, donc dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée d'aller au bout de cette idée. Moi, je pense que oui. Non, je mettrai pas le « moi, je pense que oui », parce que sinon ça va vous influencer.